Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous du vendredi avec Xur. Xur qui se trouve tout simplement au nord de la tour. Et donc je vais vous montrer ce qu'il a à nous proposer pour ce week-end. Alors vous allez voir que ce week-end, on va être axé Grenade ce week-end. Donc on commence bien sûr avec un engramme classique que plus personne n'achète, bien évidemment. Pour les titans, une forteresse crânienne, donc le casque qui va vous permettre d'obtenir une charge de mêlée supplémentaire et de recharger plus rapidement votre énergie d'attaque de mêlée lorsque vous allez ramasser des orbes. Pour les chasseurs, le serment de Shinobu, donc de très bons gantelets qui vont vous permettre d'améliorer la puissance de votre grenade à ricochet, de recevoir une charge de grenade supplémentaire et d'améliorer également la portée de vos grenades. Et enfin, pour les arcanistes, les menottes du non-être, un très bon gant également qui va vous permettre d'ajouter un effet de guidage à vos grenades à dispersion, ainsi qu'une charge de grenade supplémentaire et qui va vous permettre également d'augmenter la portée de vos grenades. Donc ce sont, vous l'imaginez, trois bons stuffs, surtout pour du PVP. Et en ce qui concerne l'arme, on se retrouve cette semaine avec le règne de Souros, donc un fusil automatique, les fusils auto dans Destiny laisse à désirer, je vous l'accorde, mais le règne de Souros reste tout de même une très bonne arme. Côté pack d'armes, on se retrouve avec l'ornement pour le souffle du dragon et celui pour la super cellule Zalo. Pas de changement au niveau des raretés et des échanges de matériaux. N'hésitez pas à me dire sur quels items vont se porter vos choix pour ce week-end et j'attends également votre avis dans les commentaires par rapport à ce joli revêtement. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. C'est le petit trick du jour. J'ai trouvé ce revêtement, je ne savais même pas qu'il existait. Donc j'en profite pour vous le montrer. Déjà le nom est magnifique. Et j'attends votre avis, votre retour dans les commentaires quant à ce superbe revêtement, ce superbe arcaniste. J'espère que vous avez aimé cette petite review de Xur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur Destiny. Ciao tout le monde!